Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, une petite activité donc à faire avec les enfants, le petit cœur qui a des bras, coucou, et des jambes. Alors pour cette activité, vous allez avoir besoin donc d'une feuille de la couleur que vous voulez. Alors une feuille assez rigide, hein, pour que ça soit plus simple. Et donc une bande de papier pour faire les bras. Donc là, j'ai pris une bande que je vais couper en deux. Et du papier pour faire les mains également. Voilà, je recoupe le modèle. Donc là, pour faire le cœur, les bras en accordéon et les mains. Donc là, par contre, pour les bras et les mains, j'ai pris des feuilles très très souples, très très faciles à trouver. Voilà. Donc pour ça, il va nous falloir, bon, évidemment, une paire de ciseaux. De la colle, des feutres. Moi j'ai pris noir et bleu pour faire le contour. Puis un crayon aussi pour pouvoir dessiner le cœur. Et enfin, donc là j'ai une perforeuse ronde pour pouvoir faire les trous. Voilà, si vous n'avez pas de perforeuse, vous pouvez très bien faire les trous au ciseau. Ce n'est pas un problème. Donc, on va commencer tout simplement par dessiner un cœur. Voilà. Alors, hop. Pas besoin d'être parfait. Juste un cœur avec plein d'amour. Et voilà mon joli cœur. Ensuite, on le découpe. Voilà. Alors, j'ai un petit bonus pour la fin de la vidéo avec le cœur. Je vous en dis pas plus, c'est une petite surprise, vous allez voir. C'est une activité donc facile à faire et qui est très rigolote. Le final, il est super mignon. C'est quelque chose qui va être à offrir aussi. Ça fait carrément plaisir. Donc là, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc ça peut être une bonne idée. Donc voilà, j'ai découpé mon cœur. Je vais faire les trous. Donc en bas. Moi j'ai pris comme ça. Alors, je mets à l'envers pour voir où est-ce qu'on va faire le trou. Hein. Un ici. Hop. Et à côté, on fait attention à ce que les trous. Voilà, regardez. Faut pas que ça soit collé. Hein. Faut qu'il y ait un espace entre les trous. Et voilà. Là, c'est bon. Ensuite, nous allons faire les bras. Donc, on prend notre petite bande. On va la couper en deux, ces deux bras. Voilà. Hop. Je prends, je coupe en deux. Et là, on va faire un petit accordéon. Alors, très simple. Je plie d'un côté. Je plie de l'autre. Je continue ainsi. Voilà. Hop. Hop. Et hop. J'en ai fait un. Je fais le deuxième. Voilà. Mes bras sont prêts. Maintenant, je vais m'attaquer aux mains. On va faire les petites mains. Donc là, les mains, donc moi j'ai fait des petites mains comme ça, hein, à dessiner. Dessiner des petites mains et j'ai découpé. Si c'est un peu compliqué, vous pouvez faire juste, par exemple, le pouce et une grosse moufle. Voilà. Et puis, tout simplement, si vous n'avez pas envie de rentrer dans les détails. Ensuite, petite astuce, on plie la feuille en deux. Comme ça, quand on découpe, eh ben, on en a deux. C'est plus pratique. Petite main facile. C'est comme vous voulez, hein. Soit vous faites des mains avec des doigts. Le découpage un petit peu plus long. Vous faites des petites moufles.
la rigueur, vous pouvez redessiner dessus, quoi. Si vous voulez redessiner les mains. Moi, je vais laisser en petite mouche, je trouve ça mignon. Ça fait très hiver en plus en ce moment. Il neige, alors bon. On met les petites moufles. Donc maintenant, on va coller les bras. Alors, on va les coller derrière. Donc, je vais mettre de la colle. Donc, ici. Ta 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 ta. Je vais coller derrière, ce niveau-là. Voilà. Hop, j'appuie. Et voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on colle nos petites mains ou nos petites moufles. Sur les bras. C'est trop mignon avec les petites moufles aussi. Voilà. L'autre main. Hop. Maintenant, reste plus qu'à faire les dessins. Alors là, j'ai fait, je crois que je vous montre le modèle, des petits yeux tout mignons. On dit des petits yeux kawaii en japonais. Erreur. Hop. Un œil. Un autre œil. Donc, on va laisser cette partie-là blanche. On va faire un espèce de petit haricot. Un autre petit haricot. Voilà. Et toute la partie là en coloris en noir. Hop. Également. Donc le petit haricot, on va choisir une couleur. La couleur des yeux. J'avais pris bleu. Rester sur le bleu. Hop. Voilà, voilà. Sans oublier la petite bouche. Hop. Ah oui, j'avais fait les petites joues en rose aussi. Hop. Voilà. Si, c'est pas mignon, tout plein. Voilà. Moi, je suis assez contente de mes petits cœurs. Donc, je me suis un petit peu inspirée, hein, en regardant sur internet, et j'ai pris tout ce que j'aimais bien et j'ai refait à ma sauce. Donc là, voilà, c'est des petits cœurs que j'ai fait moi-même. Voilà, donc avec les petites moufles, c'est rigolo. Et là, on met les doigts et ça fait les jambes. Et petit bonus pour la fin. Si vous trouvez des petites chaussures de Barbie ou de petites poupées, voilà, vous pouvez les mettre au doigt. Et alors là, c'est trop rigolo. Tu, 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 tu. Tata, salut. Je suis l'amour. Qui veut un gros câlin? Oui, alors moi, je m'amuse terriblement. Je trouve ça trop rigolo. Et après, on peut faire des danses. Tata, tata, ta, hey! Tata, tata, ta, hey! Ah, c'est trop rigolo. Voilà, donc amusez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à l'aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo. Voilà, merci, à bientôt et plein d'amour. Salut.